Salut à tous les amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis en compagnie de Stax. Salut Stax. Yo. Comment que ça boum? Ça va pas. Oh mais tu es ici, je ne t'avais même pas vu, je croyais que tu t'étais barré dans le fin fond des abysses de... Non, pas de duel, non. Si, je vais te casser la gueule, vas-y. Bon d'accord, allez, c'est parce que je suis gentil, c'est pour pas, tu vois, c'est pour... Oh, ah mince, parce que ça a pas, ça a pas commencé, d'accord. T'as de la chance, en fait je suis con mais j'avais pas tilté, je peux pas tirer ma grenade quand je suis à côté. C'est un début de vidéo qui commence bien, je me fais dépouiller, mais faut pas oublier que t'as vachement coupé le micro. Faut pas oublier qu'en fait j'étais en train de parler à mon frère parce que j'avais coupé le micro et du coup j'avais pas vu que t'étais en train de m'attaquer, j'avais oublié qu'on était en duel et du coup j'ai juste balancé des sorts au pif. D'accord, et en gros tu m'as juste déglingué. Bon voilà, bref, donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La quête principale, bien évidemment. On va tout de suite faire un petit dialogue, hein. Et pourquoi je suis encore accroupi, moi? Ah oui, parce que... d'accord, oui, je suis un petit peu stupide. Alors, récupération CV. Vous voyez que j'ai complètement refait mon interface. Tout seul, bien évidemment, sans l'aide de personne, hein. Oui. Non, non, c'est vrai, je te jure, hein. C'est ce qu'on dit. Bref, c'est agent, parti, dialogue. Je suis ravi de vous voir, okay. Bien sûr. Mais je vous pensais occupé par votre mission. Enfin, c'est pas grave, je crois. Je suis encore en train de régler les détails. Alors, que puis-je pour vous? Je dois en savoir plus. Je me pose quelques questions à propos des services secrets impériaux. Je pensais qu'on pourrait discuter un peu. Il n'y a pas grand-chose à dire que vous ne découvrirez pas par vous-même. Du moins, rien que je ne sois autorisé à partager. Vous êtes toujours aussi désagréable? Écoutez, je pourrais vous sortir tout un discours pour vous prouver que je suis plus intelligente et plus expérimentée que vous. Mais je ne le ferai pas. Nous allons devoir travailler ensemble sur un pied d'égalité. J'essaierai de m'en souvenir si vous en faites autant de votre côté, d'accord? Pauvre petite bureaucrate. Je fais le travail et je prends les risques. On n'est pas sur un pied d'égalité. Eh bien, prenez l'habitude de me traiter comme si c'était le cas. À présent, je dois me remettre au travail. Ben, remets-toi au travail. Ok. On doit aller parler à Observateur 2. Je sais pas qui c'est. Mais on va le savoir bientôt. Oui, alors, je voulais dire, j'expérimente. Je filme avec... bah tiens, il est bien Observateur 2. Je filme avec OBS. Open Broadcaster, je sais pas quoi. Le S, je sais pas ce que c'est. Bref. Pour voir ce que ça donne. Et franchement, c'est vraiment un miracle. C'est comme si... quand on filme, en fait, c'est comme si on filmait pas. On sent pas, y a enfin, les ressources sont absolument pas... Oula, j'ai un petit bug. Les ressources ne sont absolument pas... comment dire... entravées. On va dire ça comme ça. Oula, ça compte des choses. Donc, c'est plutôt bien. Le processeur est nickel. Voilà, il n'y a pas de ralentissement. Et puis bah, c'est toujours en 1080p quoi. Voilà, pas de changement pour vous, mais que du bonheur pour moi. Alors lui, je sais pas ce que c'est, mais il est dégueulasse en tout cas. Il parle bizarrement, il a un langage chelou. Alors il n'y a pas beaucoup de... Vous êtes le seul autre alien que j'ai vu dans les services secrets de l'Empire. En tout cas, il est la classe. Vous, comment se tient? C'est marrant, ça fait genre que toi en fait tu te considères comme humain. Ouais, c'est clair, ouais. Ok, j'ai tout compris à ce qu'il m'a dit. Et ton putain de compagnon marche sur les ordi, tu sais. Ouais, genre il va pas les casser avec sa lourde masse, c'est pas grave. Je dois aller voir un autre type. Juste là à droite. Oui. Ouais, c'était exactement ça. Dépanneur de... bah, nom de fonction. T'es le nouvel alien, c'est ça? On va voir ce que ça donne. Je suis dépanneur 12. J'étais agent de terrain avant, mais maintenant je m'occupe de faire tourner les choses par ici. C'est pas très glorieux comme travail. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Oh là là! C'est un moyen de servir l'Empire. Même si tout le monde comprend pas forcément le sens profond du service. Oui, les gens d'ici vont te dire que les sites interfèrent avec notre travail. Que Cerber est toujours en train de se battre avec le ministre des services secrets, ce genre de truc. Ils ont peut-être raison, mais on s'en fiche. Notre boulot, c'est d'obéir aux ordres.
de nous occuper de l'ennemi. L'ennemi ? Qui est notre ennemi ? L'Empire a de nombreux ennemis, la République et les Jedi étant les principaux. On doit se concentrer sur leur élimination, pas sur les conflits internes. N'oublie jamais ça et tu dureras peut-être plus longtemps que la plupart des nouveaux agents. Vous croyez tout savoir, hein ? C'est exceptionnel pour un simple mécano. Oh ! J'ai de l'expérience, bien plus que toi. Oh, je crois que lui, je me le ferais bien si on pouvait, tu vois. Ouais. Si on pouvait faire des duels avec les bots. Enfin, les... Non, mais j'ai demandé si t'avais pas moyen de le tuer, en fait, dans la cour. Je crois pas, non. Mais je dois aller voir un autre type qui est juste là-bas. Ça doit être dépanneur 14 ou une conne comme c'est ça. C'est ça. C'est Observateur 3. Mmh. Oh, bonjour. Excusez-moi, je ne m'attendais pas à ce que vous veniez. Vous êtes l'agent de terrain de Utah, n'est-ce pas ? Je suis Observateur 3. Vous semblez nerveux. Ma présence vous dérange ? Désolé. C'est pour ça qu'on m'a affecté ici plutôt que sur le terrain. Je suis pas très doué avec les gens. Je suis encore étonné d'avoir décroché une désignation d'observateur. Mais si j'ai réussi, je suis sûr que vous ne tarderez pas à en décrocher une. En fait, le mec qui regardait du porn et tu sais, je suis arrivé comme ça. Et c'est pour ça qu'il est stressé. Cerber ne m'apprécie pas beaucoup. Je n'aurai pas de titre avant longtemps. Cerber n'apprécie personne. Le jour où je suis arrivé, lui et Observateur 2 menaient l'interrogatoire de l'ancien Observateur 3. Il avait travaillé avec Cerber pendant des années. Il voulait démissionner, mais ça s'est pas très bien passé. Enfin bref, je ferais mieux de me remettre au travail. En gros, il s'est fait buter. Surveillance et je voudrais pas rater quelque chose. T'as vu, il y a un mec qui portait son nom avant lui. Ouais, c'est ça, ouais. Bien. C'est un petit Allez, peu mal bon ça. Courage. Oui, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Plein de points d'affection avec Kalios 7 et donc... Ouh, 1000 d'XP. Putain, juste... Putain. Moi, j'ai eu que 260. Ouais, mais toi, tu l'as déjà fait, non ? Ah oui, faut surtout faut que c'est pas ma quête de classe, en fait. Ouais, et c'est surtout que t'es niveau 13 aussi. Non, mais ça, c'est à cause des... comment ça s'appelle ? Flashpoint. Ouais, c'est exactement ça. Par contre... ma quête de classe, aller jusqu'au colosse inachevé. Ouais. Attends. Si, si, je sais où c'est, t'inquiète. C'est ça, non, le secret des... Oui, c'est ça, je dois aller au colosse inachevé. C'est... Qui représente l'empereur. C'est ça... non. Non, ça représente juste un seigneur Sith, je crois. Ah, ok. C'est pas par là Non, mais écoute, non, c'est pas par là, fallait reprendre l'ascenseur. C'est chiant. Je n'ai pas accès à tout ça en fait. Et l'ascenseur, non, je peux pas. Moi, je peux pas. Ah non, moi non plus. On n'y a pas encore accès, c'est tout. Bon, j'attends ce putain d'ascenseur de mes deux. Yep. Merde, je me suis coincé sur cette marche à la con. Et tu sautes. Oui, 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 tout à fait. Choix Mario. C'est vraiment une sale tronche, hein, ton partenaire. Yep. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fout là ? Ah oui. Bon, comment je fais, moi ? T'as fait quoi, toi ? N. Et tu l'envoies en mission, sauf toi, t'as pas de métier, ici. Non. Bah là. Si ? Ah non, j'ai oublié de prendre métier. Bah, faudra qu'on... Je ferai ça hors vidéo, j'irai au vaisseau mère, enfin, de la flotte mère, et j'irai me choisir un métier. Pas de sens. Je pense forger des armes, des trucs comme ça. Histoire que je sois assez puissant. Alors... Par contre... Regarde sur ta map. Oui, oui, tout à fait, c'est ça, je me suis trompé. J'arrive. Ah oui, c'était une... C'était un instant... Enfin, un moment instantané. J'avais pas de petite... Ah, le sprint, ça change la vie, c'est un truc de fou furieux. Voilà. T'es déjà sorti toi ou pas, ouais. Mmh. Ok. Si tu veux accomplir ta quête sur la plateforme, ton gagné. Bah sur la plateforme. Ouais, sur les trois endroits où on est là, regarde sur ta map. Attends, alors je vais te dire. À l'est. Enfin au milieu. À l'est. Ouais, au milieu, ouais, on va tester, ouais. Ouais, on va faire ça et après on ira faire quelque chose. Non, c'est chiant. Je pense que dans le temps de la vidéo, on aura juste le temps d'arriver là-bas. Ok, c'est pas grave. Non, mais le dialogue, c'est tellement long.
Ah ouais, je sais, mais c'est ça qui fait le jeu, hein. Sinon on jouerait pas. Non, bah. Ça n'aurait pas d'intérêt. Nope. Oui. Ça c'est on s'en fout. Ils ont vraiment la classe, les soldats de l'Empire. Les premiers, ouais, les premiers troopers. Ils sont pas encore des cons. Oh lui, là. Avec sa petite queue de cheval. Oh ici, non tu viens, tu vas, ça a trop tu la classe à cet endroit. Par contre, je sais pas où je dois aller. Attends, je regarde où est mon indicateur de quête. Là où moi je... Juste là, tout droit. Ouais, tout à fait. Ah, il est là, c'est le mec. L'eau. Alors, on se tait. Excellence, j'ai des rapports concernant le conflit avec la République. Merci. Mais dites-moi, ai-je l'honneur de m'adresser aux héros qui ont capturé l'étoile de Brenthal? Alors, quelles sont vos impressions sur les forces de la République que vous avez affrontées? Pathétique. Un soldat impérial vaut bien 20 troufions de la République, voire 30. Oh, la guerre ne durera pas longtemps. Oh. Merci pour votre avis et pour ces rapports. Maintenant, veuillez m'excuser. Je dois les étudier afin de transmettre mes directives au ministre de la guerre. Mais pourquoi il y a un toi aussi, t'as vu, il y a un truc qui a pété derrière nous. Je suis pas dans la conversation en fait. Ah oui, d'accord. C'est pas grave. Je viens de récupérer 2000 XP et un super bracelet. Je vais m'empresser de... D'équiper. D'équiper, ouais, tout à fait. Et il est classe. En fait, je suis sur le point de me faire une nouvelle armure en fait, un niveau 7 d'armure complet. Qui est blanc et qui est franchement super super joli. Par contre, maintenant je dois me tirer dans quel... Merde. Le on ressortir. Okay, bon, on doit ressortir. Bon, mais c'est parti pour la quête de classe alors. Go direct au fly. Ouais, on y va. Par contre, tu vas vraiment à fond. Hein. Ou alors, t'es parti en avance. Je suis parti un peu en avance. Parce que je te dis, j'avais pas la cinématique. Ah, bah oui, c'est vrai. Ok, bon, alors, en quoi consiste notre. La quête de classe. Votre nouvelle mission consiste à démasquer et éliminer les violentes dissidences qui sont sur dans une classe. Oui, c'est vrai, parce que j'avais complètement zappé ce qu'on devait faire. Je dois me tirer vers où en fait? Là où il y a un indicateur. Ah oui, c'est vrai, c'est bon. C'est bon, j'ai vu. Ouais, c'est le secret des esclaves. Ouais, ok. Et on aura. Je pourrais débloquer mes bottes. Plus 3500 de. Et je pourrais passer niveau 12 aussi. Ça va être... Attends, non, si je dis pas de conneries. Non, tu dis pas de conneries, t'inquiète. Ouais, c'est bon, je vais pouvoir passer niveau 12 avec ça. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait une espèce de jungle entre nous et la ville. Non. Enfin, c'est... Ouais, c'est... En dehors de la ville. Entre nous et la ville. Ok, c'est bon, je te suis, on y va. Attends, c'est vraiment le swag, hein, c'est... Ces espèces de double sabre laser. The fuck. Bon, on va expérimenter sur ces. Ah non, c'est des potes. What the fuck. Je me disais aussi pourquoi ils nous ont pris. Ah attends, j'ai une mission. Là. Ah ouais, non, bon, c'est pas grave. Bon, viens, suis-moi. Yep, je te suis. Vas-y, on en profite pour faire un peu de. Non, on va juste perdre du temps. Mais... Ah ouais. C'est juste celui et puis voilà. Nickel, putain, on fait vraiment des dégâts. Et ça me fait vraiment pas mal d'XP aussi. Je remarque. C'est quoi le truc? Ah, c'est des chats de ville. Doucement. Ok, ça ressemble vachement à un chat. Un pique-nique. Regardez les éclairs. Ok, elle vient de me parler, mon acolyte là, Calio là, se sent plus pété là. Prends un coche. Ouais, t'inquiète, je suis sur tes traces. Et tu viens de te faire aggro. T'inquiète, je te couvre par ce Yosusque briseur d'os que tu viens de déchirer. T'es plutôt quoi toi, DPS ou enfin tu fais des dégâts je avec ton sabre. Ouais, ton sabre il fait. C'est un hybride en fait. Parce que moi je... Attends, ah je peux pas en déplacement. Ah merde, attends, comment on fait? Comment on fait quoi? Tu sais, pour afficher le... C'est clair, alors.
Afficher quoi? Tu sais le... Le menu de ton personnage. Ah mais du coup t'as... Oui d'accord. Bah t'as plus rien d'assigner pour ça puisque t'as assigné ça à autre chose. Ah oui. En bas à droite sur le bonhomme. Premier icône sur ta part. Ah ouais, t'inquiète. Bon, j'ai 349 d'armure ou 105 de vie. Oh, je fais 82 à 105 de dégâts bruts. C'est pas par là. Et oui, je me suis gouré. Moi aussi. Toi, tu fais combien à peu près? T'as dit que je faisais quoi? 82 à... à 100 de dégâts bruts. 99 à 126. Tac, on va se couvrir. C'est quoi cette merde? Un slinérant. Putain, j'ai vu ça. C'est normal. Tac. C'est pas une vraie créature. D'accord. En tout cas, ils sont vraiment bien faits. Hein. Et elles sont plutôt originales. Je sais pas, sur mon écran, tout est dégueulasse. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit. Il y a des quêtes à prendre dans les points. Oui, parce que c'est complémentaire avec la quête de classe, en fait. Ok, participer. Tout à fait conforme au rapport. Une révolte de degré 6 avec une population équivalente au soulèvement des Duras sur Zilia. Les sujets occupent un rayon modéré de la jungle. Bien. Bien. Bienvenue, apprenti. Vous arrivez juste à temps. Je suis le seigneur Droll. Lorsque l'Empire rencontre une résistance en territoire conquis, on fait appel à moi. Je suis là pour mettre un terme à la révolte d'esclaves sur Dromulkas. Il a pas un petit problème de vaisseau sanguin à la tête, lui? Un peu. Un tout petit peu, oui. Il y a une tête de cadavre. C'est amusant. Votre travail, n'est-ce pas? Mon sorcier à la même. Des êtres inférieurs et écraser leur volonté de résistance. Bien sûr que j'apprécie. Et vous aussi, vous verrez. La situation est la suivante. Un seigneur Sith a lancé la construction d'une immense statue de lui-même au cœur de la jungle. Seulement, ses esclaves se sont révoltés. Le colosse est inachevé et des esclaves bien armés contrôlent désormais la jungle. Une situation embarrassante pour l'Empire. Une opportunité pour moi. Vous voulez dire tuer des esclaves? Une opportunité parfaite pour réduire la population d'esclaves. La mort d'esclaves sera une conséquence secondaire de mon plan, mais n'en sera pas le but. Je compte tester une arme toxique, un poison appelé Quell. Ses victimes subissent d'atroces souffrances pendant une période prolongée, avant d'être enfin libérées par la mort. Les alliés des victimes sont si horrifiés par les effets du Quell qu'ils perdent toute volonté de résistance. Je cherche à prouver. Ah, vous êtes doué. Vous êtes profondément sadique, seigneur Droll. Vous êtes il n'est nul besoin de me flatter. J'ai besoin de quelqu'un pour introduire une quantité précise de Quell dans les réserves d'eau des esclaves. Oh, le lourd bug. Il y aura des esclaves armés partout. Mais votre succès sera bien récompensé. Qu'en dites-vous? Je n'attends plus que vous. Servir. Superbe. Dans ce cas, mettons-nous au travail. Mon assistant, le sergent Slarin, vous précisera le dosage préconisé et vous fournira le Quell. Vous le trouverez dans la tente de recherche. Ouais, on fait ça ou pas alors? Mais c'est au même endroit. C'est juste à côté. Ouais, c'est juste à côté. Autant prendre ça. Alors, sergent Slarry. Connaissant le seigneur Droll, ce dont je... Désolé. C'est connaissant parti. Le seigneur Droll, ce dont je me serais pas. J'ai encore fait. Passé, il... merde. Désolé. Connaissant le seigneur Droll, ce dont je me serais pas passé. Il vous envoie à propos de la toxine Quell. Seigneur Droll. Yep. On est en attente du groupe. C'est exact. Donnez-la moi. Plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Impatiente. Bien sûr que vous l'êtes. Mon supérieur a assurément un don pour sélectionner ses assistants. Et si je vous disais que cette expérience n'a aucun intérêt? Les précédentes études ont montré que la souffrance était sans impact sur la vitesse de reddition. Cela n'a rien à voir avec le fait d'accélérer la fin de la rébellion. Le seigneur Droll éprouve seulement un plaisir pervers à infliger des souffrances gratuites. Ah, c'est un lourd pervers sadique, en fait. Vous me fatiguez. Palpitant. Ne comprenez-vous pas? Le seigneur Droll sacrifie l'efficacité au profit de ses propres obsessions malsaines. Je veux en finir avec cette mission. Plus vite la rébellion sera terminée, plus vite je serai réaffecté à un travail plus important.
Ma carrière avance au ralenti en raison de la soif de sang du seigneur Drôle. Sans son inefficacité, je serais déjà capitaine depuis longtemps. Trouver un autre employeur. Quel dommage pour votre carrière. Je ne cherche pas à attirer la sympathie. Je cherche un allié. Le dosage de toxine Quell du seigneur Drôle va faire agoniser les esclaves pendant des semaines. Et pendant tout ce temps, cette zone demeurera volatile. J'ai préparé une dose qui éliminera les esclaves efficacement. C'est bien mieux pour l'Empire et aussi pour moi. Accepterez-vous d'utiliser mon dosage ? Non, les esclaves doivent subir. Je veux que ces esclaves rebelles paient pour avoir désobéi à l'Empire. Vous ne prolongerez pas seulement l'agonie des esclaves, vous prolongerez également la mienne. Vous êtes dans votre travail, n'est-ce pas ? Très bien. Oui, oui. Prenez la toxine Quell et injectez-la dans les systèmes de filtration d'eau du campement des esclaves. Allez recevoir votre paiement auprès du seigneur Drôle quand vous aurez terminé. Tout à fait, ok. Bon, alors on se dirige tout de suite vers ce campement d'esclaves à la con. On va leur faire boire ce poison. Attends, il n'y a pas de, mission à faire. C'est, ah, c'est ça, robinet à fermer en fait. Comment on fait ? T'attends qu'il soit à nouveau bleu. Parce qu'il y a un mec qui vient de s'en occuper en fait. Putain, il y a du people. Hein. Sérieux. Pourquoi je viens de gagner 20 XP ? Parce que je viens de one shot un mec. Putain, c'est chiant ça, les retenir. Bon, je vais peut-être aller... Ah, c'est bon. Injection de la toxine. Hey, je viens de couiller un mec. Ok, bon, on se dirige vers un autre... Ah d'accord, faut péter ça aussi. Détruire les réservoirs d'eau. Je suppose que c'est une mission bonus, ça, non ? Oui, c'est pas ta mission principale, c'est des trucs de côté, mais non, c'est pas un bonus. Ok. Okay. Je vais à un autre robinet. Mm-hmm. Oh putain, je vais me faire couiller le truc. Vite. Oh oui. Oh magnifique, j'ai réussi à activer avant. Oh non, ça me l'a pas compté. Je suis deg. Ah, je suis deg. Mais le problème, c'est qu'on est déjà beaucoup trop sur les robinets. Bah on le fera plus tard, c'est pas... Ouais, je vais essayer d'aller... Attends, mais... C'est où les... Ah, c'est ça, d'accord. C'est pauvre merde, non? Ah oui, non, en fait, c'est pauvre merde. Ouais. Putain, mais... C'est pas rien, ça. Je sais pas, je viens de réfléchir un peu. Ça, c'est pratique d'avoir mis la grenade sur le... Sur le bout de la molette de la souris. En fait, depuis tout à l'heure... Ah. On peut déboîter. Ah mais parce que je me cours de tout, j'ai plus tout à l'heure. Oui. Oh là là, je suis vraiment... Je t'ai dit de faire gaffe. Ouais, en fait j'ai plus sur 3 au lieu de 2. Je suis vraiment mauvais. Je récupère et après on y va. Profitez-en pour buter un max de travailleurs. Comme ça, ça peut faire une mission de tout. Je vois pas où ils sont en fait. Que tu viens de faire le robinet, là. Non, je l'ai fait, il y a... Comme je lag en fait, l'autre connard, il a eu avant moi. Voilà, vraiment des champions. Mais c'est bon, il y a des... Tu veux pas qu'on soit... reste à côté de moi, là, qu'on se fasse des esclaves, parce qu'ils sont juste pétés, hein. Oh, du dégât, il faut pas croire, oui. Oh, du dégât, et j'ai un robinet. Yep. J'injecte le quail à l'intérieur de la tuyauterie. Oui. Ben let's go, hein. Profitons-en. C'est quoi que tu dis ? Ok, d'accord, mais... Hop là, magnifique. La grenade. Oui. Tout à fait. Magnifique. Il est où l'autre robinet ? Merde, j'ai mis avidité. C'est pas grave, moi j'ai passé. Ok, bon, c'est pas grave. Tu m'aides, s'il te plaît, il y a un élite ici. Yep. T'inquiète, je me mets à couper. Wow, je me mets à couper. Merde, j'ai pas encore embusqué. Je lui mets la sonde et tu vas le déglinguer. Merde. Putain, mais vraiment c'est chiant là, le fait d'être accroupi et de pas avoir la grenade sur le bouton. Ah mais ça faut que tu le règles séparément. Mets-toi juste accroupi et règle tes touches. Enfin bouge tes trucs quoi. Ouais.
Ah ouais, mais non, mais après les pouvoirs ils sont décalés en fait. Non mais... Les images sont décalées quand je suis à copier en fait. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, moi ce que je suis en train de te dire c'est que tu ferais mieux de régler justement tes compétences pour qu'elles soient dans un autre ordre. Qu'elles soient le même ordre. Ah ouais, d'accord. Pas à copier, okay. En fait. D'accord, ok. Ah oui, bah oui. Bon, oui. Et d'ailleurs, toutes les techniques qui sont utilisables que quand t'es accroupi, enlève-les de ta barre de compétences. Quoi ? Parce que tu peux pas les utiliser si t'es pas accroupi et que c'est pas la même barre de compétences quand t'es accroupi. D'accord, et tu veux que je fasse quoi au juste ? Tes compétences qui sont sur ta barre d'action principale, mais qui nécessitent ouais. D'être accroupi, tu les enlèves. Ouais. Et justement ça, je les enlève. Bah tu les traînes, tu cliques au milieu de ton écran avec. Je les quoi ? Tu les balances au milieu de ton écran. Tu gardes le clic enfoncé dessus, tu les lâches. Ouais, d'accord. Ok, ouais. Mais la grenade, elle est utilisée pour les deux, donc je sais pas. Alors la grenade, tu la laisses, mais tu fais que quand t'es accroupi, elle soit sur la même touche. D'accord. Je me fais déglinguer. Oh. Tac, petite grenade. Ah non, en fait, c'est des pécores. Ah oui d'accord, ouais, en fait c'est des lourds pécores. Par contre... Ah mais j'ai viré le tir. Mais maintenant je peux plus faire mon tir embusqué moi. Hein ? Qu'est-ce que t'as foutu ? Tu m'as dit de les virer putain. Mais pas de ta barre quand t'es accroupi. Mais si ! Tu les vires de ta barre quand t'es debout. Mais elles y sont pas quand je suis debout. Ah bon ? Ah si. Bah si. C'est bien ce qu'il me semblait. Ah mais putain, comment je fais pour les remettre maintenant? Bah tu fais P. P? Oui, P. Oui, tout à fait, je fais P. Et tu traînes des compétences sur ta barre. Ok. En étant accroupi. D'accord. J'ai beaucoup de passifs, hein, je remarque. Bah tiens, plus que... Que j'avais. Alors résultat c'était la sonde explosive que j'avais ici. Et là le... Alors... Redis-moi alors, comment je fais? Quand je suis debout, qu'est-ce que je fais? Tu traînes tes compétences que tu ne peux pas utiliser sans être accroupi. Okay, tu les dégages. Ça, je vais lire. Comment je sais s'il faut que je fasse? Bah, c'est indiqué. Attends, on va voir ça. Ok, c'est bon. Tac. Je suis en train de me faire péter là. Enfin, non, je les explose, mais. Oh, j'ai eu un succès. Hop. Tac, voilà, bon j'apprends petit à petit à maîtriser les compétences mais bon. C'est un peu chaud patate. Voilà, nickel. Bon, il nous en reste plus que 5. Essaie d'en buter un maximum. Ok, ça c'est fait. Voilà. Ok, c'est bon, maintenant j'arrive bien à gérer les touches. Ah, je suis bien caché. Ah bah ok, bon ok. Un autre... T'es où au fait? D'accord, silence radio. Trop loin visiblement vu que ça te compte pas ce que je suis en train de faire. Non, faut que tu viennes activer la valve quand même. Et je me fais défoncer, attends. J'arrive. Ah. Non, c'est pas ça que je vais faire. Tac. Et Calio. Ah merde, c'est parce que je l'ai mis en passif. Comment je fais pour qu'elle attaque? Et je suis niveau 12. 1, je crois. Ouais, c'est bon. Putain, mais parce qu'elle attaquait plus l'autre connasse là, putain. Ah là là, mais quel noob. En tout cas, on arrive à la fin de l'épisode. Bon, on a rien fait de vraiment super intéressant, mais c'est pas très grave. Juste, on fait une dernière fois. Ok, d'accord. Voilà, bon, sur ce, bon, on va se laisser là. Hein. Parce qu'il est tard, mine de rien, hein, dans cette vidéo. C'est... Donc je te dis à la prochaine, hein, et portez-vous bien. Yep. Allez, à plus, attendez.
Ah, combat. Attends, on se fait ces clampins là. J'arrive. Voilà, comme on aime. Ok, et j'ai eu un succès. Bon, allez, et j'étais à la prochaine. Ciao.